Hey yo les gens, c'est Plotin71 au Jean Strou pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est super. Et au Jean Strou pour le deuxième épisode de ma série Custom Firmware Tutorial. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à avoir à ce jour 427 avatars premium gratuitement sans avoir besoin de les payer et sans aucun risque de ban. Donc, je vous dis à ce jour parce qu'en gros, je vais mettre à jour la vidéo avec le nombre de nouveaux avatars qui vont apparaître au fur et à mesure des mois, des semaines. En gros, et à ce moment-là où je fais la vidéo, il y en a 427 qui sont disponibles. Donc en gros, tous ceux qui sont disponibles pour l'instant sur le Play Store, sans avoir besoin de les payer. Donc pour ça, vous devrez avoir une PS3 en custom firmware. Donc de toute façon, vous pouvez voir que moi, je suis sur ma custom firmware. Donc je vais bien vous montrer avant de faire la petite manipulation qui est vraiment assez simple, que j'ai vraiment acheté aucun avatar sur cette PlayStation 3. Donc à part celui de GTA 5 que j'ai acheté sur ma autre PS3 officielle, j'ai que celui-là. Mais je vais vous montrer que j'ai aucun avatar acheté. Donc vous allez sur gestion du compte, information du compte et dans mes avatars. Donc quand je vais avoir mis les avatars, ça va être dans avatar payant. Donc voilà, aucun avatar, vous achetez des avatars à partir du PlayStation Store. Vous voyez, je vous ai montré la preuve. Donc maintenant, on va commencer le tuto. Donc maintenant, je vais me déconnecter du PSN. Et premièrement, vous devrez aller sur Multiman pour après faire un transfert FTP des avatars. Donc voilà, vous allez sur Multiman tranquille. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est super simple à faire. Il faut juste mettre des fichiers EDAT par Multiman, donc en gros par un transfert FTP. Donc comme par exemple si vous voulez transférer des patchs sur code. Donc là vous lancez Multiman. Voilà. Donc quand vous serez sur Multiman, vous irez sur votre ordi. Donc maintenant on se retrouve tout de suite sur votre ordi. Donc voilà, maintenant on se retrouve sur mon ordi. Donc vous devrez aller ensuite sur le logiciel FileZilla. Donc voilà, il est gratuit, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un lien de téléchargement dans la description. Donc ce logiciel va vous servir à transférer les avatars que vous aurez téléchargés au préalable dans la description de la vidéo. Donc ce sera un petit fichier avatar.zip. Donc pour connecter votre PS3 à votre PC, vous devrez entrer dans la petite case haute l'adresse IP de votre PS3 qui s'affiche sur Multiman. Donc voilà, donc moi je mets la mienne. Donc ensuite, vous aurez les différents dossiers qui se trouvent dans PS3 Custom Firmware. Donc vous allez sur Dev HDT0, puis sur Home. Puis là, vous aurez plusieurs dossiers ou un, ça dépend du nombre d'utilisateurs que vous avez créé sur votre PS3. Donc moi, personnellement, j'en ai créé deux. Et c'est à la chronologie que vous avez créé les dossiers. Donc moi, personnellement, le 0002, ça correspond au premier que j'ai créé, donc Plutonis71, sur le compte auquel je vais rajouter les avatars. Donc je vais aller sur ce compte puisque c'est là où j'ai envie d'ajouter mes avatars. Donc là, quand vous serez là-dessus, si vous n'avez jamais acheté d'avatar, vous devez créer un nouveau dossier. Donc le dossier que vous devez créer devra s'appeler PSN-avatar. Il faut que ce soit à l'aide comme ça, sinon ça ne va pas marcher. Donc voilà, PSN-avatar. Donc quand vous aurez ceci, vous prendrez les petits fichiers point et date du dossier que vous avez téléchargé qui se trouvait dans la description. Donc moi je vais les prendre. Donc moi je les ai déjà téléchargés, donc j'ai pas besoin de le ré-télécharger. Donc voilà, avatar. Et là vous aurez à peu près 400 fichiers et date. Donc en gros c'est les avatars. Donc vous irez dans PSN avatar que vous avez créé sur FileZilla. Et vous copierez tout le contenu et date sur PSN avatar. Donc voilà, ça va durer, allez, une ou deux minutes, ça dépend de votre connexion. Donc moi, puisque j'ai une connexion en carton, ça va durer un peu plus longtemps que vous, je pense, pour la plupart des gens. Donc là, vous faites un glisser pour coller sur FileZilla. Et là, vous allez voir que tout va se copier. Donc là, on peut voir des petits boutons verts et rouges qui clignotent. En gros, c'est ce qui reste. Donc là, vous voyez, il reste 25 mots à copier. Donc c'est quand même pas mal, donc, vous allez me dire, pour des avatars. Et bon, il y en avait quand même 430, et que c'est quand même pas mal. Surtout si vous allez acheter avec votre argent, vous ruinez en quand même assez vite. Donc voilà, il me reste 18 émaux. Donc on se retrouve quand ce sera fini. Ok. We don't want nothing.
Donc voilà, le déplacement des avatars est fini. Donc là, vous n'aurez plus qu'à fermer Fuzzilla et à retourner sur votre petite PS3. Donc on se retrouve tout de suite sur la PS3. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur la PS3 pour la dernière partie de ce petit tutoriel. Donc là, nous allons vérifier que la petite manipulation a bien marché. Donc vous quittez Multiman. Donc voilà, là, je l'ai quitté. Et maintenant, vous allez vous reconnecter au PSN pour bien vérifier que vous avez les avatars payants. Donc, je vais me connecter au PSN devant vous. Voilà, connexion. Je me connecte. On va patienter pendant la connexion au serveur Sony Entertainment Network. Donc voilà, je me suis connecté. Donc là, on va regarder maintenant dans mon gestion du compte les avatars. Dans la section des avatars payants, désolé. Donc voilà, on va aller dans les informations du compte. Avatar. Et maintenant, on va aller dans avatar payant. Et là, on peut voir qu'il y a plein d'avatars qui vont apparaître. Donc il faut laisser le temps de charger parce qu'il y en a hyper beaucoup. Donc voilà. Donc, il y en a plein. Vous pourrez prendre ce que vous voulez. Donc en tout, pour l'instant, il y en a 427. Donc au fil du temps, je pense qu'ils vont en rajouter. Et pour l'instant, il y a tous ceux qui sont disponibles sur le PlayStation Store. Pourrait même en avoir des assez original, style hacker ou truc comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir. On sait pas ils viennent de quel jeu, ou même avec des AK-47. En tout cas, je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet. Voilà, VIP. J'avais pas du tout l'impression que ça existait, des trucs comme ça. Donc voilà, le tuto touche à sa fin. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Donc moi je vous dis à plus tout le monde, allez à la prochaine, c'était Tonton17.1. Allez, peace.